Oh, salut les gars. Hello. On se retrouve aujourd'hui encore avec David. Salut. Voilà. Pour une petite pêche en première catégorie. Oui. On était venu rechercher la perche et l'objectif est largement atteint. Ah oui, on en a vu de la perche. On a vu beaucoup beaucoup de perches. Ouais. Bon, après c'est une rivière de première catégorie, logiquement il y a de la truite. La truite, on en a vu aussi. T'en as vu une, toi? J'en ai vu une et demie. Une belle. Ouais, une et demie. Ouais. Une et demie. Bon, ça fait partie du jeu, j'en ai pris une et j'en ai décroché une autre. Voilà, bon, on s'est bien éclaté. Ça a été un petit passage à vide le matin. Ouais, ça a été dur. On a fait un petit casse-croûte et là, on a fait 2h30-3h de pêche juste après le casse-croûte. Et... Ah ouais, là, on s'est. Là, on s'est éclaté. Qu'on a fait quelques spots. Voilà. Pas mal de touches. Comme là derrière, là. Vous voyez comme c'est joli? Voilà. David, il a fait un poisson surprise. On vous dit pas ce que c'est parce que sinon, vous allez pas regarder la vidéo. Alors. Et puis on s'y attendait, enfin je m'y attendais pas, ouais. C'est... Ouais, ouais, on pensait pas à tout sauf à ça, mais franchement, ouais, vraiment top. On a pêché David Holler de surface au Powertail. Ouais. Moi, la copie du Foxy Minnow Coloriveron. J'ai pris quoi d'autre? Et la queue ondulante. Et ondulante, ouais, c'est ondulante. Là où t'as fait la. Ouais, la c'est là où j'ai fait la tweet. Voilà. Bon, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et aller faire un tour sur la chaîne à David. Parce que. Un petit moment qu'il n'a pas sorti de vidéo, mais là il va s'y mettre, il va s'y mettre. Pour faire tourner la chaîne, ça fait du bien et au moins ça fait, on discute avec les copains. Ça fait super super du bien de se retrouver au bord de l'eau. Je vais m'y remettre. Bon allez. Bon. À bientôt. Plus. Bon bah gardez la pêche. Gardez la pêche. Hein. Bonne rentrée. Je me suis acheté plein de petits spinner bait. Eh ben, je prends rien du tout avec. Ah, tiens, ça y est, j'ouvre le bal. Et ça suit avec, elle est pas toute seule. Lance là, regarde, il y en a une avec, tu la vois? Je l'ai vu. Ah, regarde. Ah non, mais elle est là, regarde. Ouais, mais j'en ai vu d'autres là-bas qui sont restées, mais ah ouais, mais l'autre elle repart. Elle est partie prendre des copines. Magnifique. Elle est belle, hein? Elles sont magnifiques, elles ont des couleurs, elles ont des nageoires, mais orange, ouais. Voire même rouge certaines, c'est un truc de fou. Magnifique. Et voilà, ça y est, j'ouvre le bal. On a mis le temps. Ouais. Je vais ramener. Voilà. Ouais, les petits loups. Même perche. Bon, ça fait quoi? 15 plus, pas loin de 20, mais pas tout à fait. Hein. Hop. Voilà, petite cuillère LTH Tug. Si? T'as faut que je dise ça pour que t'en prennes une, toi. Bon, bah cool. Ouais. C'est un. Ah non. J'ai cru que c'était un chouchou. Bon, je sais pas si on la verra bien. Attends, je vais me décaler. Bon, bah voilà. On va dire deuxième perche pour David parce que la première. Première décrochée. Et la première, moi, je l'ai pas vue parce qu'il était dans les arbres, monsieur. C'est ça. Bon, bah cool. Top. Allez, les mères. Bah alors, faut animer très fort. Ouais. Leur surface, là. Waouh, je crois que j'ai une truite là. Une truite? Ah, au combat, non? Ou c'est un chevesne alors? Non, c'est une truite. Ah, mon loup. Ouais, ouais, mais... Ah. Il a drop? Bah, pas trop le choix. Elle est belle. Hein. Putain, elle est belle. Hein. Elle est belle. Hein. Moi, j'ai pas les mains mouillées, désolé les gars, mais vu où je suis. Hop. Eh ben, voilà. Tant pis. Bon, bien joué quand même. tant pis. Bien joué quand même. Tu vois, tu me disais pour voir que c'est une rivière. À perche, ouais. Enfin, à truite, pardon. Elle était belle hein, quand même. Ouais, 25 plus. Ah ouais. Oh, pas vilaine en plus. Attends, j'arrive. Bon, on est parti. Bon bah il est obligé de la dropper lui aussi le petit loup. Oh, je me dépêche. Toujours leur surface hein. Toujours. Je sais pas si on va l'avoir entre les branches. Ah, elle est pas grosse mais bon elle fait plaisir hein. Bon elle fait plaisir leur surface, ouais. Je l'ai bien vu attaquer en plus, bien vu le bus. Hop là les mères. Allez top ça. Bon. Cool. Allez. Hop là. C'est petit. Tu l'as? Ouais. Ah super. Ouais mais c'est minuscule. Ouais mais c'est poisson quand même. Père chasse. Ben voilà, encore une petite perche pour David.
D'ailleurs, il est au bord de surface, le petit loup, là, il veut pas changer. Attends, merde. Et voilà, cool, top. On va faire décrocher comme ça quand c'est trop pris, tu t'as pas trop la montée. Hop. C'est pas gros. C'est pas gros, mais c'est pas simple quand même. Allez, malheureux. Un peu de surf. Un peu plus grosse, non? Légèrement plus grosse que celle qui est de juste avant, là. Les mauvaises langues, ils diraient que c'est la même. Ah, c'est vraiment mauvaise langue, parce qu'on voit que c'est pas la même. Mais... T'as vu ces nageoires comme elles sont rouges pratiquement là? Caméra éteinte, impeccable. Ah, bravo, je bah. La montre. Ouais, moi je l'ai vu. Bah bravo. Voilà, super. Ouais, là j'ai trouvé un petit site de chez Ali qui vend plein de leurres de chez les Storm, toute la gamme Gomoku là. Et pareil, il y avait un Gomoku en stick bait qui est introuvable en France. Et j'ai vu qu'ils en avaient des quantités industrielles. Alors est-ce qu'ils ont relancé la production là-bas? J'en ai commandé. 75 mm par contre. Waouh, pour 7 grammes. Oh, elle m'a mis une belle cartouche. Ça a l'air sympa, non? Hop, sans plus, mais c'est qu'elle m'a mis une tape de. Ah ouais. Ah, elle venait le chercher le leurre. Hein. Ah regarde, il y en a une derrière. Il y en a une derrière? Ben, je la vois pas moi. Allez, elle est repartie. Est-ce que je la révèle? Et elles sont simples en plus. Je peux arriver à déclencher. Ah. Ouais, les petits loups. C'est pas gros, mais c'est magnifique. Elles ont des couleurs, mais. Ouais, elles sont belles, hein. Franchement, c'est... elles ont de très belles couleurs. Puis regarde, la dorsale, mon pauvre, elle est. Ouais. Hop. Je sais pas où il est parti. Ouais, derrière moi. Et, et j'ai les deux modèles, j'ai du silencieux et du bruiteur, tu vois. Et... Tiens. Petite paire chouille. Oh, l'hôtesse bat quand c'est la fin. Ah, c'est vraiment petit. C'est petit. Hein. Bah, tu vois, changement de modèle. La copie du Foxy Mino, hein, coloris verron. Hein. Hop, c'est pas gros. Ouais. Mais bon, c'est poisson quand même. Il y a des fédés qui se bougent. Bah, tu vois, j'aime bien regarder JPCV, moi. Ouais. Et c'est... Wow, j'ai fait une pause, je me suis fait prendre. À la pause. Tu vois, c'est pas gros. Mais elle m'a mis une tape. T'as vu la perche? Oui, pourtant elle est pas... Et t'as vu l'huile comme il était plié? C'est petit, hein. Ouais, ouais. Et ben voilà. Les rames sont simples, hein, ça se décroche tout de suite. Good play. Yes. Ah. Oh, c'est beau ça. Non. Eh bah ben, tu vois. Et franchement, t'as vu les nageoires comme elles sont oranges, ouais. C'est pas les mêmes que l'allier. Hein. Et même certaines, t'as l'impression qu'elles sont rouges, tellement elles sont. Ouais. Alors, c'est pas gros, mais ça fait plaisir. Bon, top. Hop. Tu vois? Tu l'as? Ouais. T'es obligé. Elle est vraiment tout sur le bord, hein. À deux doigts de la merdasse. Eh, mais elle doit se foutre dedans. Ouais. Bah les petits alevins ils circulent dedans donc ils cherchent pas, ils sont là. Hein. Ça me pique moi le bras. Bon mais c'est pas gros hein. Non, c'est pas. Oh merde. Oh, putain. C'est l'IVA, l'IVA, allez, l'IVA. Ah. Elle y va. Allez mes mères. Oh, putain. Ah, tu pourrais faire un effort, frère. Bravo. Oh, pour la release. Ah ouais? Ouais. Hop. Ah bah tu vois. Putain, mais elles sont au bord. Elles sont à. T'as vu, je t'ai laissé le. Je t'ai dit. La merdasse, là. Je t'ai dit, elles sont au bord. Je t'ai laissé le spot. Bon, tu vas la lâcher correctement, celle-ci, s'il te plaît. Le gars, il la jette par les cailloux en face. Non, mais j'y crois pas. C'est bon, c'est bon, elle est dans l'eau, elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau. C'est la même, c'est la même. Alors fais gaffe.
Ça, dès qu'il y en a un qui passe en tête, de toute manière, il prend les poissons. Ah bah c'est obligé. Hein. Ciao. Bah, je crois que j'ai trouvé le pattern moi, pour l'après-midi. Hein. Ouais, ouais, c'est pas gros. Hop. Vous avez vu, moi, l'arlise, elle est potable. Moi. Bon, allez, je refais un lancer, moi, et puis on va monter. Ça y est. Oh là. On a jamais fait plus petit. Oh, mais tu l'as pas. Ouah. Non, mais moi, c'est plus gros que toi, moi. Ah. Le gars, il se recule, tu sais. Il y a un souci, là. Ouah, décroché. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Ouais, t'es pas vilaine, hein. Qu'est-ce que tu nous as attrapé, toi? Une ablette. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Ah ouais. Bah moi c'était quand même beaucoup plus sympa ce que j'avais attelé. Toi c'était plus sympa. Et je pense que c'est ça qui m'avait tapé déjà là-bas. Les ablettes? Ouais. Tu sais, j'ai des derniers lancers moi. Tiens. Elle y est. Elle y est la coquille. Elle est toute seule hein. C'est le pattern. Oh. Bon, bah désolé pour la release, mais on était dans l'eau. Hein. Ah, ça y est, tu l'as? Ouais, on est une autre, je pense. Je suis à 10 mètres de là-haut. Ouais, après, c'est... elle a pu descendre ou une autre qui a pu descendre. Hein. Ça va, elle est suivie. Ah bah. Et bah voilà, ça va aller plus vite. Elle top. Hop, elle a tombé. Ah bah là, je pense que c'est un cocheux. Parce que là, j'ai... Non, c'est une perche. Marco, j'ai même pas eu le temps d'animer. Bah attends. Comme un chevenne. Ah mais j'ai vu que c'était une perche. Bah elle a tombé. Hein. Bah tu vois j'ai lancé à peu près au même endroit. Oh bah super l'eau. Ouais. Oh. Amorti du genou maintenant. Le gars il se met au foot. C'est de plus en mieux. On n'aura pas la touche en direct. Ouais ça va elle est pas vilaine. Ouais. Elle est pendue par l'hameçon ventral en plus on dirait. Oh, elle est pendue juste, ah oui. Juste ce qu'il faut. Voilà. Elles sont énervées, t'as vu comment mettre la zérisse comme ça là, ouais. La dorsale. Hop. Pas content. Elle est fine. Ça va grossir. Regarde la petite perche qui me suit. Ouais, t'as vu, ouais. Elle a pris, elle a pris. Comme tu disais des spots des fois qui payent pas de mine. Ouais, t'arrives quand même à avoir du poisson. Hein. Regarde, deux perches sur le même spot. Waouh, c'est bon. Oh, j'ai fait une David. Ouais. Après, tu me diras là comment on est allé ces vierges là. C'est des fois. Tiens, regarde. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je te dis, on y a laissé vierge. Chandelle! Tu jettes ce bouchon dans le courant et tu vois qu'il fait blouk blouk pouf, ouais. Disparu. Allez, mais merde, quoi, je pense que tu coup. Oh putain, tu veux la bonne nouvelle? Vas-y, vas-y, on va relâcher le poisson, elle est très très jolie ta petite perche. Bon. Regarde la bonne nouvelle. Ah bah voilà! On va pouvoir. C'est gros? Ah c'est... C'est quoi? Attends j'arrive, prends ton temps. Prends ton temps, gros poisson, gros fiche. Peut-être grosse chevenne, grosse truite, on sait pas. Grosse perche. Grosse perche? Non. Ah, non, non, non. Un gros cheucheu, non? Gros cheucheu. Bah il est pas si gros en fait, si tu m'as mis... Tu m'as mis un espèce de... T'as vu comment il est parti? Ah... Il... On va prendre le temps, hein. T'as vu la queue en V qu'il a? Non, c'est un barbeau. Ouais, c'est un petit barbeau. Bah moi qui dis... Ramponné, non? Barbeau en haut-dessus. Un barbeau. Un petit barbeau. Ah, j'ai cramponné, il a pas pris par la bouche. Par la nageoire. Ah putain, c'est pour ça que je me disais, ouais, mais qu'est-ce que c'est qui m'a mis un départ comme ça? Il est décroché.
Yes, merci beaucoup. Non, mais attends. Pas le leurre, mais le poisson est décroché déjà. C'est le principal. Il est magnifique. Il est magnifique. Ah, c'est vraiment comme je l'ai pas. Je pensais pas qu'il y avait des barbeaux là-dedans, tu vois. Ah, par contre, il est imprenable. Marche pas sur ta canne. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer les lignes. T'es tendu, mais ah, mais c'est toujours. Bon, voilà, petit barbeau, allez, je l'embête pas plus. Oh. Bon, bah, c'est le poisson de la session, Rolo, ça. Il m'a mis un départ, j'ai cru à une belle truite. Bah, ça aurait pu, bah là. T'as vu comment il est parti? Vu le spot, je sais pas si vous voyez le spot, les gars, mais c'est plus un spot à truite qu'un barbeau, quoi. Et je pensais. Pris juste en dessous, là. Je pensais pas que tu ferais un barbeau là-dedans. Vraiment non plus. Bon, bah regarde, on a fait perche. On a pas fait de chevenne. Non. Perche, truite, barbeau. Ah, puis même à la fin, je regardais, je dis non, il y a une sacrée queue en V, c'est bizarre. Quoi? Ah. Elle est belle. Ouais, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Jette, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y en avait au moins 6 comme elle. Ah ouais, j'ai vu. Ouais. Ah, elle est belle. Ouais, si j'arrive à la prendre. Voilà. Putain. Je crois qu'elle a craché quelque chose, non? J'ai entendu un petit coup, mais. Je crois qu'elle a craché une petite tablette. Voilà les gars. Okay. Magnifique. Bah oui. Magnifique. Hop. Allez. Dans un endroit sauvage. Pour ce petit spot. Oh, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Elles sortent de dessous, là. Ouais, tu vois, caillasse. Là, des caillasses. Ouais. C'est pas gros, mais ça vient taper juste au dernier moment, quoi. Et ça tape, et ça suit après, c'est tout. Et là, là, je l'ai eu, là. Clôturer avec celle-ci. À voir, ce sera peut-être la dernière de la session aujourd'hui. On trouve des beaux spots, c'est le moment de partir quoi. Et là, c'est mérité, pas une grosse truite aussi là. C'est sympa de faire de la perche, hein. J'aime faire de la perche, je suis que rien du tout, mais. Ouah, allez. Ouais, mais toutes dans le banc, après le banc de sable, quoi. Ouais. Bon, bah, je pensais conclure sur l'autre. Hop, hop, hop. Pan. Pan, voilà, release. Pan, ben, le...